Bonjour les curieuses et les curieux, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai eu un petit souci au boulot, une bonne coupure, mais plus de peur que de mal. Aucun tendon de toucher, donc dans quelques jours, c'est reparti à fond. Et cette blessure, vraiment bête, m'a donné une idée de sujet. On va parler des Darwin Awards. C'est parti. Déverrouillage validé, lancement de la séquence. Les Darwin Awards ont été créés en 1993 par Wendy Norske, étudiante américaine en biologie moléculaire. Ce sont des récompenses sarcastiques décernées sur Internet à des personnes étant mortes ou ayant été stérilisées à la suite d'un comportement particulièrement stupide de leur part. Ils sont ainsi remerciés, le plus souvent à titre posthume, d'avoir de cette façon contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain. Mais en quoi ils améliorent le patrimoine génétique humain? J'y viens, quick, donne-moi 2 minutes. Ils tirent leur nom de Darwin Awards de Charles Darwin, un naturaliste anglais, qui a formulé l'hypothèse selon laquelle toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un seul ou quelques ancêtres communs, grâce au processus connu sous le nom de sélection naturelle. Les personnes mourant ou se stérilisant de façon bête seraient des personnes qui n'auraient pas une génétique bonne pour l'évolution de l'espèce humaine. Je trépigne à l'idée de connaître les personnes qui ont apporté à l'évolution de ton espèce, que je trouve pas si évoluée que ça d'ailleurs. Je n'enlèverai pas quick. Certes, il n'est pas bien de rire de la mort d'une personne, mais on va regarder cela d'un point de vue purement instructif pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Décerné le 3 octobre 1995, Michael Anderson Godwin était condamné à la chaise électrique, mais fut gracié. Celui-ci, un week-end, décida de réparer la télévision de sa cellule. Assis sur les toilettes métalliques, faute d'outillage, il décida d'utiliser ses dents pour dénuder un fil et s'électrocuta. La nature a fait justice elle-même, mais c'est tout de même le comble, être sauvé de la chaise électrique et mourir par électrocution. Le 26 mars 1998, un Allemand, Feu Van der Heer, était gardien de zoo. L'éléphant du parc était depuis un certain temps fort malade. Comme ça arrivait à beaucoup d'entre nous, il était tout simplement constipé. Werner lui donna donc une vingtaine de laxatifs spécialement conçus pour déboucher les intestins des éléphants. Pour des raisons inconnues, il était derrière l'éléphant. Les cachets faisant effet, l'éléphant lâcha un pet. L'odeur et surtout le gaz provoqua un malaise de Werner qui tomba dans les pommes. L'histoire aurait pu en rester là, mais les intestins de l'éléphant libérèrent 120 kg de matière fécale sur le pauvre gardien qui laissa la vie. Ce que vous appelez plus communément être dans la merde. On va dire que ça image bien cette expression. Oui. Le 10 octobre 1999, Tom, un gardien de foot, s'ennuyait dans ses buts. Il commença donc à escalader le poteau de celui-ci. Une fois en haut du poteau, il se laissa glisser. Mais il n'avait pas vu le petit crochet sur ce même poteau. Il coula donc lentement le long du poteau, arriva sur le crochet. Manque de chance, un de ses testicules s'accrocha et resta accroché. Tom tomba par terre, agonisant pendant que son testicule gauche se balançait sur le poteau. Pour une fois qu'un footballeur ne simule pas. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Poulpic. Tant qu'on parle de glissade, on continue avec David, un Italien de 46 ans, qui décida un 2 février 2008 de glisser sur une pente de ski italienne. Mais à sa façon, lui il skie de nuit, à califourchon sur une mousse de protection qu'il avait retirée des barrières de sécurité au bas de la piste. Cette station populaire auprès des touristes pour son esprit de fête, David et tous ses amis avaient bien arrosé la soirée. Ils descendirent la piste et ironiquement foncèrent droit sur la barrière qu'ils venaient de délester de la mousse sur laquelle ils étaient. David est mort de ses blessures à la tête et à la poitrine causées par le métal non rembourré. Deux de ses amis ont survécu grâce aux soins médicaux. C'est un peu comme si la branche sur laquelle on se trouve... Totalement. Le 23 juillet 2011, à New York, lors d'une protestation contre la loi sur le port de casque à moto, un homme de 55 ans participait à une course, détenue pour revendiquer son opinion. Vous imaginez bien, celui-ci a trop freiné dans un virage et a fait un soleil par-dessus son guidon, tête la première. Malheureusement, son cerveau qui n'a pas eu le temps de comprendre l'ironie de la situation, car il mourut sur le coup. Et comme le disait Einstein... Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. On termine par une remise de prix à un couple français. Le 20 août 2015, ils ont décidé de faire l'amour dans le château de l'île de Chausey. Mais le faire à une dizaine de mètres en haut des remparts, c'est un peu suicidaire quand même. Et pas manqué, ils ont été retrouvés nus dans les douves sèches. Leurs affaires sur les remparts. Faire l'amour, pas la guerre, c'est bien, mais le faire intelligemment, c'est quand même mieux. Et au vu de ces quelques exemples, c'est pas gagné pour vous les humains. Mais je ne te permets pas, quick. Les gens qui regardent ces vidéos ne sont pas tous comme ça. Oui, mais toi, tu n'es pas un exemple. Quand même, je ne suis pas comme ça. Ok, tu veux qu'on parle de tes blessures? Non, c'est bon, ça ira. Tu es sûr que tu ne veux pas parler de la fois où tu es tombé dans un bac d'eau et que tu as failli te noyer? C'est bon, on a compris, quick, hein. On a tous fait des boulettes pour apprendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo et à t'abonner pour ne plus louper aucune vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur Facebook et Twitter. Et si on parlait de la fois où tu... Chut, toi. Et n'oubliez jamais, la curiosité est signe d'intelligence. A ciao, bye. Mais bye. Sinon, tu es sûr de ne pas vouloir... Fermeture de la séquence.